Bonjour à tous. Comme nouveau premier avis qui est mauvais, série sous-titre du CPS afin d'apprendre l'article du CPS. Et alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre comment lire un article dans une CPS et comment faire le pratiquer dans le terrain. D'abord, on va discuter des articles des travaux du dallage. Premièrement, l'hérisson en pierre sèche, ce qui compose de deux situations. L'hérisson de 20 cm d'épaisseur seront constitués par un blocage de pierre sèche ou bien une tuile venant compactée de 20 cm d'épaisseur et une forme de béton armé de 13 cm d'épaisseur. On va voir ultérieurement comment il fait et comment on fait la pratique de deux articles. On va essayer de lire les articles. Après la finition de collage de béton armé de liaison grain, dessinage massif et regard, il faut remblayer avec un matériau approuvé par le bureau d'études ou bien laboratoire. Après, il faut compacter selon les consignes de bureau d'études. Après, la mise en œuvre de tous venant ou bien les récents en pierre selon le choix de BUT ou de laboratoire ou selon ce qu'il existe dans le marché. Si on fait l'exécution avec les récents, il faut bien régler et damer pour mise à niveau. Si on effet le tout venant, il sera exécuté avec un film de polyène. Pour le dallage de forme en béton de classe B25 de 13 cm d'épaisseur, soigneusement réglé après l'arrosage de la sous-couche, y compris pilonnage et dressage à la règle, les armatures nécessaires quadrillage D8 et espacement de 20 cm suivant les indications du plan de béton armé et toute gestion de fourniture et mise en œuvre. Les travaux de calbéton, l'enrobage et nettoyage et tout ce qui concerne le dallage. Et pour le mitri, les ouvrages payés en mètre carré théorique entraînés de l'engrais, au sinage et tout les vides et les ouvrages divers déduits, y compris lacé T8 ou T6, l'espace 10 cm ou 20 cm selon le cahier de charge et descriptif, et les chapeaux exécutés suivant les plans de BUT, les ponts si nécessaire vers les siphons.